Comprendre une bataille belle que nous condamnons. D'abord, nous condamnons la bataille qui vient entre les populations, entre Moun Belè et Moun Belè. Mais en même temps, tout, nous condamnons tout, assassin tout, qui vient dans Marriott Hotel, que nous avons oublié, assassin bandit qui vient dans Marriott Hotel, qui était estimé pas de possibilité pour tuer, pour tirer les journalistes de Voilà, mais comme il faut qu'il fait forfait, il bat le calotte. Ça veut dire, nous rendons compte que monsieur Sayo, quel que soit côté, il voulait, si sans manger journaliste, toujours dans la tête, que nous condamnons l'attaque que journaliste Radio Métropole Sibi en bas bandit notre opposition dans l'hôtel Marriott. En ce qui a trait à Pierre Espérance, une bataille en Dambelé, ça m'a tiré, 10 fiers à péter, 14 boules. Et puis Pierre Espérance, dans même fois qu'il a produit un rapport, il dit que 15 personnes qui mourent, il a joué un cadavre, il a produit un rapport, et puis il a un groupe, il dit que c'est un groupe. Alors ce que, les cap goûts sont belles, les cap goûts sont belles, les cap goûts sont belles. Il y a un Tilou. Tilou, c'est lui qui a inventé l'opération Bagdad. Tilou, alias l'homme. Tilou prend la rue depuis 2004. Madoché. Je vais parler de Madoché tout dernièrement. Mon dit que non, c'est accusation. La police a arrêté Madoché dans le gang. Que c'est. Il est actuellement en état dans la police. Homme de dénoncer. Et, alors que Madoché, ça, qui a foutu fort, a travaillé pour Anel Belize. Bandi, qui a opéré, qui a foutu ça. Et que gang ça, qui met, et que monsieur, l'homme ça, qui va être tête, non mourir dans la Radio-Zénith. Qui a dirigé le groupe Maozo, 400 Maozo. Tout pour nous démarquer. Parce que, depuis notre opposition, on met un gang, on met un assassin, on met un groupe gang. Depuis sous barricade, on met un campé, pas de problème. On a fait une organisation de droits humains, on a fait un monde qui dit on pas de droit pour lever barricade. Parce que barricade là, c'est avenir, peuple. Mais messieurs, dames, dans tous les pays du monde, nous connaissons ça, la loi dit sous sa relève séquestration. Constitution par nous, la caillou, garantit sa relève libre. La circulation, tout citoyen qui doit circuler librement. Personne pour intérêt, raison politique, pas qu'à prendre un groupe en otage, pas qu'à séquestrer un groupe. Alors que aujourd'hui, nous prenons une séquestration générale. Et organisation de droits humains, et Pierre Espérance qui dit organisation de droits humains, c'est écrit à écrit pour dire la police a fait représailles, la police a persécuté les gens qui campaient sous barricade. Alors que bandit, assassin, criminel, qui met moun sous barricade, il dit, l'entendez, Chimè lui dort dit, embuscade, barricade. Les amis, tout le monde connaît. Même lorsque vous te faites hier, vous connaissez, ça relève bombe artisanale. Si vous n'avez pas de moyens technologie, eh bien, vous faites gros bombe. Puisqu'elle n'a pas de capacité de technologie, eh bien, elle fait bombe artisanale. Qui sait ce qu'elle fait comme bombe artisanale? Elle fait cocktail monotone. Cocktail monotone, c'est même crime. C'est même sentence qui gagne à connaître qui fait une bombe qui a toute technologie. Je dis à nous refuser d'admettre que nous avons qui a concocté, qui a planifié, qui a voyé le cocktail Molotov sous machine qui a boule bis, d'oublier que c'est des terroristes. Ça veut dire que moi, je résume, monsieur qui est dans la rue actuellement, que c'est Morin, que c'est nom ça, qui est le Chimè lui dort, comment dirais-je? Tout le monde, Yuri Latoti, que Jodia, qui gagne la justice américaine, qui a construit le dossier, nous tous connaissons, depuis que nous participons dans le genre des axes, évaluer vos plans. Qui me dit que mettez l'huile sous tête de monde pour faire accident à tout le monde, il parle de l'autre bagaille, il s'est un acte de terrorisme. Que Jodia, Pierre Espérance, en tant qu'organisation de droits humains, le fait qu'elle gagne des trois grandes correspondants de Libiavel, il dit sa habilité pour défendre bandit. Gonèg que Pierre Espérance construit une opinion contre lui. Pierre Espérance mobilise le travail, voyez Moun Belè, voyez Moun Delmadé, voyez Moun Solino pour construire une opinion contre lui. C'est négocier le barbecue. Même pas le barbecue au fin de vie, pas rencontrer le fin de vie. Cependant, barbecue, vous voyez barbecue, Jimmy, Cherizier, vous deux frères à nos opérations de la vie. Vous trouvez une nœud,
Il défend tête lui. Le fait qu'elle ne pas mourir dans la ville, Pierre Espérance et Bandini, elle doit mourir. Parce qu'elle ne pas mourir dans la ville, elle doit mourir. Je dis à vous, quand vous avez fait notre monsieur, il y a environ 18 policiers qui sont en opposition, Yuri Latoti, engagés pour mettre des faits, pour bouler Delmade, pour bouler Belle, pour bouler. En façon pour dire, c'est pour voir Jovenel Moïse, cap tout le monde, et puis pour même yo joindre, pour faire des documents, pour faire des photos, pour vous montrer que Jovenel Moïse a tout le monde. Donc, vous avez fait ça en 2012 sous l'armée, rentrer dans le quartier populaire tout le monde, et puis dire c'est l'armée qui a tout le monde. Vous n'avez pas utilisé l'autre. Mais donc, c'est même monde, c'est même acteur qui là. Eh bien, je dis à nous, nous venons. Un, nous voulons l'opinion qu'on aime. Barbecue, pas bandit, j'en ai fait. Barbecue, je dis à. Étant donné que dans le chien enragé, il y a un chef qui a tué. C'est un droit pour le défendre. Je ne connais pas, mais c'est un policier qui a voué une mission de la vie. Oui, il est capable de la vie. Mais regardez, l'action, l'inspection générale de la police, c'est comme si c'est Pierre Espérance qui loue ce passe-là par l'inspection générale de la police, rentrer dans une démarche, intimider. Tout policier qui a fait répression, qui a fait. Et tout policier qui a agi avec fermeté face à bandit qui a des armes. Moi, je dis bandit. Moi-même, je dis tout nèg qui sont baillés 4 jours. Nèg chimé lui donne. Ou choisir d'utiliser barricade avec embuscade, la police doit utiliser moyen fort pour déloger dans embuscade ou tant pour la police. Parce que de vous mettre embuscade, il parle l'autre bagaille, c'est assassinat, c'est mon rapouillé, c'est mon rapillé. Et tout le monde reconnaît, tout le monde qui passait sous barricade, il reconnaît, il fouille le monde qui passait sous barricade. Il prend le téléphone, il prend le soulier, il prend le radio, il prend le bon bagaille sur vous, il prend. Mais ça qui manifestation. Eh bien, je dis à dans Delma 30, barricade Delma 30 et Delma 32. C'est un groupe de 6 policiers et parmi lesquels policiers qui coordonnent pour Reginald Goulos. Dans Hollywood, là, c'est policier ça qui est le Fritz Gérald. C'est un policier hippo. Et qui recevait comme nommé Reginald Goulos avec Anel Belize comme chef d'opération. Parce que Anel Belize, c'est chef d'opération. Militaire pour Reginald Goulos, pour que les gens connaissent ça. C'est lui qui distribue les corps. Et qui problème Anel Belize a eu? Anel Belize a un gros problème là, un gros problème. Qui problème Anel Belize a eu? Anel Belize a tout le monde peur. Tout le monde ne peut parler de Anel Belize, on parle de lui, la sortie de ou sous pas peur. Société a connu, c'est les bandits, c'est les criminels. Mais qui problème Anel Belize a eu? Le nous connaît ça. Anel Gongan, qui au Canada, gagnant volé machine, voyant en Haïti. Il y a 40 machines qui rentrent. La police canadienne mettait un quête dehors pour retracer les machines. Ils ont joué 40 machines dans le port. Pas au Bessra. La justice, Anel allait, tribunal allait, il prend l'ordonnance pour faire appel, il prend les machines. Canada, ambassade canadienne est venue, la police canadienne est venue pour refouler les machines au Canada. Ils ont demandé pour arrêter Anel Belize qui comme gang qui lié à gang Canada. Pour ont rentré dans la bataille pour tout le monde dans la bataille politique qui a réglé là. Pourtant, il y a autre qui baille pour arrêter Anel Belize pour question affaire trafic pour les machines. Parce que vous connaissez, monsieur, il juge déjà pour ça en République dominicaine. Il juge pour ça. Moi-même, je connais pour Diab. En 2004. Le commando à la Gavril, le journal dans la prison, j'ai pensé que c'était pour cause politique qu'Anel de la prison. C'est là dans le dossier Anel, nous venons de pouvoir les moteurs machines, Anel de la prison. Anel pas libéré. Et je veux que tout le monde connaît. Anel pas libéré. Pas pour ordonnance pour te libérer dans la prison. Ce groupe là pour Anel, et puis Léon Paret, moi je tout la guerre Anel en bas mon cabri. Commando qui libéré Avril. Parce qu'il n'y a pas de tuer Avril, même j'ai avec le colonel Raymond dans la pénitentiaire nationale. Eh bien, voilà, je ne sais pas jamais pour qui ça a été dans la prison. C'est après les nalgas des dossiers, nous jouons dans le Sénat de travail. Ils voient l'homme au tennis sans patrouille, mettre dans leur machine, ils ont arrêté le monsieur dans la prison. Eh bien, je dis, c'est Anel ça qui vide. C'est lui qui a commandé le commando qui fauchait les chrétiens, qui marchait avec les gangs, qui travaillent pour Reginald Goulos. Et les gens qui ont gagné avec lui, ou des petits blancs, ils ont joué Nano. Zano Charles, alias Fritz, qui c'est Tiblan, dans base Hollywood.
C'est petit blanc bas Hollywood qui tire les policiers IGPN. C'est petit blanc qui bat les policiers balle dans le dos. Parce que moi-même, je dis, pendant que vous avez mis des barricades, je vais mettre barricades parce que vous avez identifié. Et nous pouvons mettre dans le jour 4 minutes, dans chaque cafou marassa, nous avons mis tout dans le dos. Parce que nous avons mis des barricades avec vous. Pour nous, nous avons mis des barricades parce que vous avez identifié. Nous avons mis des armes dans le dos. Et je demande à tous les militants, partisans, sympathisants de PHTK, alliés Jovenel Moïse, pas prendre un caponnet. Pas courir pour les parce que c'est comme ça que vous nous-mêmes, bataille par nous, pourquoi commencer la bataille nous allons commencer. Dans le moment, ça va demander pour nous gourmer. Nous allons gourmer pour nous. Pour nous, nous identifier les cailloux, nous avons identifié l'adresse, nous avons identifié la base côté regroupé. Parce que nous-mêmes, c'est stratège nous. Ok? Nous pas gourmer même château pour nous. Nous disons, et mettez un petit défi pour nous dire non. C'est lui qui a commandé base Hollywood. Nous avons Mario. Mario a travaillé pour Boulos. C'est Mario qui portait petit cobre. Dans le café aéroport, dans le bolette. Côté, avant la manifestation de démarrer, nous avons entré. Bon Dieu de la donne. Dieu de là, c'est lui qui fait distribution. Ou même ça qui mérite $200, ça qui mérite $500. Ça, qui ça ou même ou avez wash pour vous, ou même vous avez caoutchouc pour mettre. Ok? Nous avons. C'est next ça. C'est Mario à tout. Qui est responsable de toute question munition ZAM régional Goulot. Mais qui est le deuxième commandant après Anel Belize. Anel Belize, c'est chef opération, mais qui rentre dans toute base, qui baille une couverture, la police qui veut, c'est Fritz Gérald qui ouvre le chemin, qui transportait avec Mario des nègres à telle base, à telle base. Et pas sans raison, où est Reginald Goulos, baille sinon qui est le Montréal. Et qui, pour moi, tu viens trouver dans une situation désespérée, il est obligé de ballon pick-up pour permettre le trafic la fête. Machine ou qui n'a même rien, c'est Reginald Goulos qui fait balil pour capable de transporter les bases Maozo, 400 Maozo pour des bouquets. Ok? Ça veut dire, ce n'est pas des bagages que nous avons voulu monter, mais c'est un dossier que nous travaillons sur lui, que nous finissons. Ensuite, nous finissons pour nous dire. Moi, je dis, chaque fois que je mets la presse, document ça, moi, la presse pas diagnostiquer document ça. Parce que presse a un rôle prépondérant dans la bataille qui a fait là. Des fois, nous de bonne foi. Cependant, il y a des informations, c'est nous qui avons des populations à comprendre. Bataille oligarchie qui a mené là, ce n'est pas une bataille peuple. En 2004, nous avons fait des résolutions qui ont été prises déjà. Chaque 4 ans, nous avons changé nos noms. Sous protéger Haïtiens, nous avons venu avec la plateforme démocratique de la société civile et des partis politiques de l'opposition. Alternative de transition. Résolution. Ça, vous avez dit une résolution, ça. Je dis, vous avez pris aller là-bas la sous-code. Je dis la balance, viens signer avec nous pour nous faire un coup d'État. Mes amis, coup d'État n'est que pour faire. Je ne veux pas que nous mettions, nous baillons des bagages n'est faire importance. La bataille n'est que faire là. Nous sommes bataille pour remplacer Gérard Gou, qui a été mis depuis en 2004 comme président provisoire. Gérard Gou n'a jamais démissionné pour nous faire remplacer Gérard Gou. Et ça, Gérard Gou fait, Gérard Gou n'a jamais mettre en commission de passation au pouvoir. Ça veut dire, ce n'est pas Jovenel Moïse qui voulait remplacer, mais c'est Bet Gérard Goub depuis 2004 qui a été mis comme président provisoire. Maintenant, qui ça a été dit là-bas, là, c'était symbolisé André Michel, Yuri Latoxi, et Valéa Beauplan, comment Paul Denis. D'ailleurs, c'est Paul Denis, pendant le ministre. Qui commissaire qui écrit le rapport qui montre combien l'argent la valance volée dans la caisse de l'État. Mais le ministre il va mettre le mandat derrière. Je dis à c'est Paul Denis encore qui chita sous même table avec Formule la valance, le Steve Voltaire. Il a dit depuis c'est pour mal, les gens qui mettent tête ensemble pour faire mal. Mais ils refusent de mettre tête ensemble pour combien bien, hein, qui te paye à marcher. Ils ne vont pas faire ça. Maintenant, Boulos, c'est Boulos qui te paye l'hôpital canapé vert. Pour tout le monde qui prend balle, c'est Reginald Boulos, à peine, qui te paye le canapé vert. Je dis à ce Boulos qui, Mariotte, même quand tu as la valance. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de mémoire. Mais je vais rappeler la population. Parce qu'il y a un peuple qui sans mémoire, va appeler à disparaître. Qui ça a été reproché la valance en 2004? En 2004, très bref.
à point très point seulement. Je te reproche la balance, gouvernement la balance. Qui ça te caractérise? Je te dis la balance symbolisée. Viol de la souveraineté populaire à travers les élections contestées du 21 novembre, du 21 mai 2000 et du 26 novembre 2000. Élections ont été contestées. Avec dit tout le monde d'accord, pas d'élection. Il dit. L'avilissement des institutions, la suggestion des différents pouvoirs de l'État par Jean-Bertrand Aristide, restauration de la corruption, du mensonge, de l'impunité. Avec des débuts en 2004, je te dis Aristide, c'est menti là-bas. Je dis à petit Jovenel, c'est menti là-bas. En 2004, c'est même discours. Je te dis Aristide, là-bas, il menti. Je vais changer le discours. C'est même pratique là. Je te dis, restaurer de la corruption, du mensonge, de l'impunité et de l'anarchie comme méthode de gouvernement. C'est ça, on te dit la balance qui est symbolisée. Je te dis la balance symbolisée. Trafic, drogue, je dis à nous. Comprenez bien. Je te dis nous, rapidement. Faut que nous pouvons pour ne pas jamais au régime tant que la balance qui va au pouvoir. Je dis à sérieux, capteur de la balance, pour signer un accord de côté avec nous. C'est ça, on te dit. Petit A. Je dis, petit A. Garantir la sécurité de la population. Comme ça, on te bat en 2004. Après de par ici. Je dis, après de par ici, on a pris la paix. Haïti a tourné après sécurité 24/24. Après de par ici, c'est là encore kidnapping. Après de par ici, c'est là encore toute qualité Zenglendo. Et si nous pouvons mentir, mandez bre. La famille bre. Il y a tellement de kidnapping. Il y a quitté les machines. Il y a le kidnapping. Je dis à moi, elle est un famille brûlante, alors que nous tous prenons depuis vos familles pour kidnapper le jeté aujourd'hui. Brûlante, il est dans un hôtel, là, jeté président. Alors que frère n'a plus zone, neveu n'a plus zone, qu'on arrive pour enlèvement séquestration, pour vol. Je te dis, nous, alors que je te dis, c'est la peine à bien. Je te dis, s'engage à faire libérer immédiatement toutes les personnes emprisonnées injustement, élaborer et mettre en exécution, implanter aux gens. Et relancement économique, d'améliorer les conditions de vie de la population haïtienne et intégration des jeunes. Alors que nous tous constatons, pas des jeunes qui intégrés, l'économie nous crase, pas gagner crédit, si classe moyenne nous intégrés, on a se déclassé à déclasser, c'est classe moyenne nous aider. Je te dis nous-mêmes, militants, qui sommes engagés dans la bataille pour coopérative. Même Jean-Jo Dia aussi, pour nous guérir, pour ces Petro-Caribé, c'est Aristide qui doit aller. C'est Jovenel qui doit aller. En 2004, je te dis, pour nous jouer une COP coopérative là, c'est Aristide pour nous jeter. Mais ça, on te bat nous. Il fait nous demander de rager pour nous Aristide aller. Parce qu'il nous dépense pour nous sérieux. Pour nous, nous connaissons pas sérieux. Nous connaissons, nous découvrons pas sérieux. Je te dis, nous, procéder à la question de vérité sur les cas de disparition, d'enlèvement, de vol, viol, assassinat, exécution sommaire, détournement des fonds des coopératives pour la réparation civile de loi. Les Haïtiens finales, évidemment, des signes fous. Est-ce qu'ils ne connaissent pas le bas de la coopérative? Eh bien, pour Jovenel, je demande pardon. Comme le mal existe, pendant que Jovenel a fini, eh bien, voilà, des signes fous tout. Si un fou nous défoue, qui vient dépenser, et c'est pas amnistie pour nous avoir le bas de qui volait pour Pedro par lui. Eh bien, ce face au bon vivant. Béni! Parti politique, te mettez sous pied. Je te dis, nous, un, vous pouvez mettre au conseil électoral provisoire sous pied. Deuxièmement, vous pouvez organiser une conférence nationale souveraine. Après des par ici, mes amis, une conférence nationale. Est-ce que tu as une conférence nationale? Je te dis, nous pouvons mettre au conseil des sages. Conseil des sages. Au lieu de mettre au conseil des sages, vous mettez au conseil bourreau. Et de bourreau que tu as gagné. Alors, que, qui est le monde qui te signe ça? Et même le monde qui n'a rien de Dieu. Ça a été fait des rentrées le 31 décembre. Le 31 décembre 2003, vous avez fait ça pour le général ici. Vous avez fait les rentrées. Pour nous, là, 7 novembre, qui date pas du choix? Date de Mariotte là. Mariotte, vous dites bon, c'est un temps national, nous allons nous tous mettre ensemble pour nous jouer une seule parole. Mais pourquoi que cette parole? C'est pas pour faire bien, non? Comme si pour faire mal, nous allons mettre ensemble. Même ma petite pays, depuis des portes bagailles d'avancée après mandat Jovenel. Quand le mandat Jovenel finit, tout le monde gagne encore. Nous ne gagnons pas tout encore, oui. Parce que la balance après un candidat,
André Michel pral président, ça pral ceci, ça pral cela. Son manœuvre pour que pays y a seulement de l'instabilité. Même pral montrer nous qui moun qui te signé résolution ça. C'est même moun yo, seulement yo changer de nom. N'a pas changer de nom, même visage yo. N'est-ce pas même descendre, n'est-ce pas prendre des jeunes garçons à l'université, puis remplacer yo, même figure. Regardez bien. Faites rapport au prince, le 31 décembre 2003 par la plateforme démocratique des organisations de la société civile et des partis politiques de l'opposition. Pour authentification, organisation de la société civile. Est-ce que toute organisation de la société civile ne parle pas de Mariotte là? Est-ce que tout parle de Mariotte? Nous là. Qui est-ce qui t'est représenté dans Mariotte en 2004? 2004, François Denis Junior. Hervé Saint-Tilly. Anthony Barbier, Cap Marché Barbier toujours. Depuis 2004, n'a pas Barbier ensemble. Je dis à ce record qui est là, Mariotte, Cap Barbier. Alors que je te dis, je prends la conférence nationale. Comme récompense, je tue Tinette Delphine, puis je capte sur la conférence nationale. Là. Mais pays n'est pas vrai, pas de conférence nationale. Mais je jette ton président déjà, puis je fais conférence nationale. Au lieu de faire conférence nationale, je prends 15 franchises. Quand il y a ça, il y a planifié, au lieu de conférence nationale, c'est des choucailles nationales. OK? On nous différencie des choucailles nationales à conférence nationale. Mani, De Rose, nous gagnons Judith, Jean-Charles Faustin, nous gagnons parti politique non aligné, nous gagnons Karine Simon à l'époque, Rosemont Jean, pour société civile, nous gagnons parti politique non aligné, même si on voit plusieurs groupes, des Pastrelles, des Macrelles, des.